On continue nos aventures au pays fantastique des kanji, selon la méthode Remembering the Kanji. Voilà. Comme d'habitude, si vous aimez bien cette série, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien louper, liker et commenter pour permettre à d'autres personnes de découvrir l'aventure. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va avoir une clé de lecture absolument fondamentale qui fait partie parmi les premiers kanji qu'on apprend quand on démarre le japonais habituellement. Mais c'est là où vous voyez que la méthode Heisig est atypique, puisque on le voit seulement en position 1023 ici. Voilà. Mais vous le connaissez déjà, ce kanji. C'est un trait, deux traits. Voilà. Il ne l'a même pas reconnu. Tellement il est simple, on va dire. C'est le kanji pour Hito, la personne. Un être humain. Ok? Donc un trait comme ça et un deuxième comme ça. Faut pas le confondre avec le kanji pour entrée. Hairu. Vous voyez, Hairu, c'est d'abord le grand trait vers la droite, puis petit trait vers la gauche. Là, on fait grand trait 2, puis en haut à droite, vers en bas à gauche, et ensuite on continue. Donc voilà, une personne, un être humain. Bon, ça représente une personne en train de marcher, c'est un pictogramme. Voilà, vous voyez que c'est le top 5 des kanji. Bref, celui-là, vous le connaissez, ou alors vous allez le connaître extrêmement vite. Donc vous inquiétez pas. Et vous allez voir que quand on l'utilise comme clé, la clé dérivée de ce kanji-là, elle est assez différente. C'est Ninben, on l'appelle, son petit nom. Et elle ressemble à ça. Donc j'ai toujours mon trait comme ça, mais ensuite mon deuxième trait va vers le bas. Il est vertical. Donc vous voyez qu'il est un peu déformé. Au lieu d'être tout droit comme ça, il est penché comme ça. Et donc c'est une personne. Souvent, moi je mets le sens de une personne seule, une personne unique, Hitori, une personne, pour essayer de me créer plus facilement des histoires. Le premier kanji qu'on va voir avec cette clé-là, donc cette clé-là qu'on met à gauche, hop, c'est avec le kanji justement de la gauche, Hidari, Hidari, qu'on va avoir cette fois-ci dans la partie droite, et non pas gauche, du kanji. Le sens de ce kanji, ça veut dire l'assistant, l'assistance. L'aide. Sa prononciation, c'est uniquement une prononciation on, ça, qui est d'ailleurs la prononciation on de la gauche, que vous voyez, voilà, c'est ce kanji-là, Hidari, la gauche, sa prononciation on, c'est ça également. Et voilà, là on est sur du assez poussé. Quel mot? Les mots qui nous mettent là, ils sont assez compliqués. On va se trouver des mots peut-être un peu plus sympathique. Ouais, chaud, ça, c'est un major. Ouais, Rosa, LED. Taïsa, c'est marrant, on le trouve beaucoup dans les titres militaires, ce kanji. Chusa, Nissa. Effectivement, avec ce sens d'assistant, d'être dans un grade. Hein. C'est vrai que dans Evangelion notamment, je crois que Misato, elle s'appelle Katsuragi Shosa, quelque chose, ou peut-être Taisa, je sais plus. Mais bon, son grade se termine par ça, comme ça. Donc l'assistant. Alors, moi, la petite histoire que je m'étais faite, c'était que j'imaginais, par exemple, dans un laboratoire, qu'il y avait un assistant qui aidait un grand professeur, et que on pouvait l'identifier parce qu'il était toujours à gauche du professeur dans les photos. Voilà, cette personne seule qu'on trouve sur la gauche dans les photos du laboratoire, la personne à gauche, c'est l'assistant. Tchac, tchac, tchac. Oui, effectivement, des noms comme c'est Sasaki, j'imagine ce que tu m'as écrit, Mameske. Ouais, on peut le trouver dans des
Dans des noms, tout à fait. Le suivant. Toujours Ninben, notre personne seule. Et cette fois-ci, à droite, je vais avoir un carré comme la bouche, un petit trait, et en dessous, un carré plus grand, que je vais essayer de faire un petit peu plus grand. Voilà. Voilà. Ce kanji-là, qui est aussi un kanji assez avancé, on va être sur... voilà, ils ne l'ont même pas catégorisé en termes de difficulté JLPT, mais ça reste un Joyo kanji. Il indique un compagnon, un partenaire. Hein, le mot-clé Kamiha ici, c'est le partenaire. Donc vous voyez d'ailleurs qu'en lecture kun, il peut se prononcer tomo. Bon, il y a, pour tomodachi, il y a un autre kanji qui est beaucoup plus courant. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, ça. En revanche, on trouve les lectures ryo et ro, hein, comme dans le mot ryohan, qui veut dire un compagnon. Ou dorio. Attention, hein, c'est pas dorio, le. Pardon. C'est pas le dorio qui veut dire le collègue. Hein. Dorio, c'est plus long. Donc faut pas le confondre. Donc un kanji qu'on trouve pas super 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 souvent. Et toute cette partie droite là, les deux bouches avec un petit trait entre les deux, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la colonne vertébrale. Alors Hirohoiful, tu me demandes quelle différence avec l'autre? Ça s'utilise simplement pas dans les mêmes mots. Hein. Cherchez pas à vous dire à chaque fois. Il y a plusieurs kanji qui ont des concepts très très proches. Hein. Très 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 proches. Hein. Voilà, hein, si par exemple vous prenez Kumo qui veut dire le nuage, hein, et Kumoru qui veut dire devenir nuageux, bon vous voyez les kanji sont similaires et les sens sont très proches. Hein. Donc voilà, cherchez pas à faire forcément dans votre tête un inventaire ou compartimenté. Hein. Ce qui est important, c'est de comprendre quand un kanji il est utilisé, qu'est-ce qu'il veut dire. Vous prenez pas toujours la tête à vous dire ah oui, mais il veut pas dire la même chose que l'autre. Parfois, c'est le cas. Mais là, par exemple, par rapport au kanji que tu me montres, Hirofu, ils ont un sens très proche. Ils s'utilisent juste pas dans les mêmes mots. Et je crois même celui que tu m'indiques là, il est encore plus rare hein, parce que franchement. J'ai même pas de. Donc celui avec les deux lunes, là, qui veut dire un compagnon. Hein. Là, le mot-clé qu'on a mis, c'est un partenaire. Bon, entre un partenaire et un compagnon, c'est à peu près la même chose, hein, le sens, vous voyez. Tchac, tchac, tchac. Vous voyez, il ne l'a même pas reconnu. Le coquin. Quand même essayer d'aller voir deux, trois termes avec ce kanji-là. Une autre case, tum, tum. Bim, il est là. Voilà. Voilà, celui-là aussi, il peut se dire Tomo. Vous voyez, il n'a pas du tout la même prononciation, c'est Ho. D'ailleurs, celui-là, c'est même pas un Joryo Kanji. Vous voyez, c'est un Jinmeyo Kanji, pour vous dire à quel point on ne le voit pas très souvent. Un Jinmeyo Kanji, pour rappel, c'est utilisé avant tout dans les noms. Donc voilà, ils ont des sens très proches, mais pas les mêmes prononciations. N'utilise pas dans les mêmes mots. Voilà. Oui, bah on en est quand même au 1023, 1024, hein, donc oui, maintenant je sais tracer à la souris. Mais ça reste très moche ce que je fais. Je vous rassure, si je traçais avec un stylo, ça serait pas beaucoup plus beau non plus. Et oui, je ne suis pas calligraphe. C'est plus important, comme d'habitude, je vous le répète toujours, de savoir les lire que de savoir les écrire. Alors, le suivant. Le suivant aussi, c'est. Là, ils nous mettent des kanji assez compliqués. Heureusement, après, on en a des. Après, on en a des beaucoup, beaucoup plus usuels. Mais là, les trois premiers qu'ils nous mettent avec la clé Ninben, ils sont cotons. Hein? Donc, toujours ma personne seule. Et à droite, je vais avoir l'aube, c'est-à-dire le jour qui se lève sur l'horizon. L'aube. Ce kanji-là, on le voit vraiment pas très souvent. Ouf. Il peut se lire Tadashi, qui veut dire oui, mais cependant, néanmoins, Tadashi.
Enfin, ça, on entend ça beaucoup dans les histoires, les narrateurs, les textes un peu écrits, lus par des voix d'outre-tombe. Voilà, la lecture on tan. Voilà. Bon, s'ils l'ont mis en Juryokanji, franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que Tadashi, on le trouve plutôt écrit en kana. Hein. Regardez, si je cherche dans le dico Tadashi, ben voilà. Hein. Tadashi, il est plutôt écrit avec des kanas, donc bon. C'est pas trop grave, celui-là, on l'oublie un petit peu. Je l'avoue, moi, je l'avais un petit peu oublié, ce kanji-là. Bref. L'aube et une personne seule. Bon. L'histoire que je m'étais fait, ouais, elle était assez abstraite, mais bon. Faites-vous un truc rigolo pour vous. Moi, je m'étais dit, je suis une personne plutôt sympathique, habituellement. Néanmoins, hein, une personne. Néanmoins, quand on me réveille à l'aube, ça se passe moins bien. Je suis moins sympathique. Donc j'avais pensé au côté néanmoins avec une personne qui se lève à l'aube. Voilà, une personne habituelle. Voilà. Hein. Donc, ouais, et tu vois, Eiichiro-san, clairement, hein, parfois, il ne trouve pas les kanji. Donc dans ces cas-là, il faut utiliser bah, d'autres méthodes. Hein. Tu recherches en entrant avec les. T'imagines compter le nombre de traits, tu recherches par radical, etc. Faut se débrouiller. Ou alors tu fais un copier-coller depuis un autre site, voilà. Toutes les méthodes sont bonnes pour chercher nos kanji. Voilà, donc néanmoins, quand on me réveille trop tôt, à l'aube, je suis de mauvaise humeur. Le suivant, on va retrouver le kanji qui signifie... Oula, pas très bien fait. Le kanji qui signifie être debout, auquel Heisig a aussi mis la signification d'un vase. Ok. Ce kanji-là, vous voyez la lecture kun, c'est kurai, gurai. Vous connaissez sans doute ces mots. Hein, kurai, gurai, sanjikan, gurai. Environ 3 heures, par exemple. Eh, hey, coucou, Dooms. Hein, ou kurai. Le sens premier de kurai, ça veut dire le niveau, comment dire, le rang, hein, la position. Donc c'est le sens de ce kanji, le rang, R-A-N-G. Sa lecture on, c'est i, et quand par exemple vous voulez dire en position 1, hein, numéro 1, vous pouvez dire ichi i, ni i. Voilà, c'est le compteur qui vous indique à sert à compter la première place, deuxième place, etc. Kurai, on le trouve en kana, on ne va pas le trouver en kanji. Mais bon, dans des textes plus anciens, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Tchac, tchac, tchac. Donc, une personne seule et quelqu'un qui est debout, se dresser. Oui, alors ça j'avais pensé, bon, c'est private, mais c'est un film que je vous encourage à voir. Le vieux film de Jacques Demy, la comédie musicale Peau d'âne, dedans, vers la fin, il y a une scène où une espèce de majordome fait venir toutes les dames du royaume pour voir si elles ont ce qu'il faut pour épouser le prince. Donc voilà. Et donc dans cette scène, il y a toutes les princesses qui sont à la queue leu-leu, en plus c'est filmé dans le château de Chambord, c'est très beau, qui sont à la queue leu-leu dans l'escalier, double révolution, là, magnifique, allez-y à Chambord, c'est chouette. Et donc j'ai pensé que toutes ces personnes, elles se tenaient debout et qu'elles étaient mises en fonction de leur rang. D'abord, il y avait les princesses, après il y avait les duchesses, après il y avait les comtesses, après il y avait les marquises, après il y avait après il y avait les bourgeoises, et après seulement il y avait les servantes. Voilà. Donc j'ai pensé à ces personnes debout, voilà, qui étaient mises, classées par rang. Voilà comment j'ai retenu mon truc. Hein. Les films, c'est super. Hein. Pensez aux films que vous aimez, aux séries que vous aimez, aux animés que vous aimez. Voilà, s'il y a des histoires qui vous ont marqué, servez-vous-en pour vous faire des histoires pour les kanji.
Et ça, vous voyez, c'est un kanji niveau N3, hein, donc on est dans des choses qu'il faut connaître. Le suivant, c'est aussi un kanji très courant. Cette fois-ci, à droite, je vais avoir le livre. Home. Oyo, pourquoi il ne me l'a pas trouvé là? Il exagère. Pas un problème. Ce kanji-là, qu'on confond souvent avec un autre kanji qu'on va voir, ce sera le dernier qu'on verra aujourd'hui d'ailleurs. Ce kanji-là signifie le corps, karada. Katachi, non, c'est plutôt d'autres kanji hein, pour katachi. Il y en a déjà deux autres, on va pas s'embêter avec celui-là. Donc karada, le corps, dont la lecture on la plus courante est tai, comme par exemple nikutai, le corps avec niku qui est la viande. La viande, la chair. Nikutai, le corps. Tairyoku, la force physique, la force du corps. Karadatsuki, la corpulence, l'apparence. Voilà, donc, ben moi j'ai pensé qu'une personne qui passait sa vie dans les livres et qui était un rat de bibliothèque, ben elle allait justement pas forcément prendre grand soin de son corps et laisser son corps un peu péricliter. Voilà, donc j'ai pensé à ça, qu'une personne seule qui restait à lire des livres toute la journée et qui faisait pas d'exercice, ben voilà. Quoi, faut faire les deux, hein. Moi quand je fais du sport le matin, je suis dans ma salle, et ben j'emporte, j'ai sur mon téléphone, sur l'application Kindle Amazon, des bouquins en japonais. Donc je lis des bouquins en japonais en parallèle. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Ouh, le suivant, il est difficile. Difficile visuellement. Cette fois-ci, je l'ai fait un peu plus haute, la clé, parce que vous verrez qu'on a quelque chose en dessous. Mais toujours notre clé, une personne seule. Ensuite, on a un bâton vertical. Et ensuite, notre sinistre contremaître. Quand il a le bâton comme ça, là, la canne, le contremaître, là, je lui fais. J'imagine qu'il est tout vieux, tout rabougri. Le vieux salopard, hein, puisque je vous rappelle que le contremaître, on lui met toujours des histoires assez accablantes. Voilà. Le sens de ce kanji, c'est il y a longtemps. Le mot-clé qu'a mis monsieur. Qu'a mis monsieur. Oh, j'en ai oublié un d'ailleurs. J'y reviendrai après. J'ai oublié le 1029. On y reviendra juste après. Pardon. Le sens de ce kanji, c'est il y a longtemps. Le mot-clé qu'a mis Heisig, c'est remote. Mais genre, remote qui veut dire lointain. Mais pas lointain dans l'espace, plutôt quelque chose qui est distant. Moi, je le retiens plutôt comme distant dans le temps. Il y a aussi le sens de quelque chose qui est, comment dire, qui est plaisamment lent, qui est plaisamment décontracté. C'est le seul mot dans lequel je connais ce kanji, c'est yu-yu, parce que vous voyez, bon, c'est pas un kanji méga populaire. Yu-yu, hein, qui veut dire le calme. Confortable, voilà, on peut l'utiliser en adverbe, hein. Yu-yu ni kanji o naraimashou, hein. Apprenons les kanji de façon easy, hein, de façon tranquillou bilou. Donc bref, mais il y a aussi ce sens de quelque chose de distant il y a longtemps. Et donc, moi, comme j'ai mon vieux contremaître qui était quand même un beau salaud, vu toutes les histoires qu'on lui a racontées dans les épisodes précédents, enfin qu'on lui a pas racontées, mais attribuées. Donc là, il est vieux, il a son bâton, là, il a sa canne. Et quand il regarde à l'intérieur de lui, dans son cœur, hein, le cœur, l'esprit, à la personne qu'il était il y a longtemps, il se dit que quand même, il a beaucoup changé, quoi. Qu'il a vraiment fait des choses horribles dans son passé. Donc j'ai imaginé le fait qu'il était en train de repenser au passé, parce que maintenant il était vieux et tout seul, et qui regardait dans les tréfonds de son âme qui il avait été.
disait que c'était quand même pas joli joli. Oui, le kanji que j'ai zappé, que je vais vous remettre, parce qu'en plus il est assez important. Et il est très facile à apprendre. Cette fois-ci, dans la partie droite, on va avoir naka, le milieu. Ça tombe bien qu'on ait naka, puisque ce kanji peut aussi se prononcer naka. Et vous allez me dire encore, ah mais c'est quoi la différence? Bon là, pour le coup, il y a un sens vraiment différent par rapport au naka tout seul, qui n'a pas la clé d'une personne, puisque là, on parle vraiment d'un intermédiaire, d'une personne qui sert d'intermédiaire. Ben, c'est génial. Une personne, un intermédiaire, c'est quelqu'un qui vient au milieu d'une situation, qui vient entre deux autres personnes. Donc le fait qu'on ait le kanji de naka, le milieu, l'intérieur, bah ça, le sens, on l'a tout de suite. C'est probablement comme ça qu'est né ce kanji, avec l'idée qu'une personne qui est au milieu, qui sert d'intermédiaire entre différentes personnes. C'est notamment le naka du mot nakama. Voilà, on voit ici. Nakama qui veut dire un ami, des amis. On dit aussi, on a aussi l'expression nakagai. Voilà, on va l'utiliser, voilà pour dire quelqu'un avec qui je m'entends bien, quelqu'un dont on est proche. Naka. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui. Celui-là, il est assez particulier. En tout cas, l'histoire que je m'étais fait pour le retenir est assez particulière. Bref, cette fois-ci, à droite, je vais avoir la vache, Ushi. Et à gauche, j'ai la personne. Et ce kanji-là, qui se lit tout seul, Ken, donc avec une lecture on, qui est Ken. Lecture Kudan, je ne la connais pas trop. Ok. Donc Ken, on le trouve dans des mots très courants comme par exemple Jiken, qui veut dire un événement, une affaire, un incident. Donc son sens c'est une affaire, un cas. Pas une affaire dans le sens un objet physique, hein, mais voilà un sujet, voilà quelque chose qui a eu lieu, un sujet de discussion, voilà. Oui, hein, tout à fait. S'entendre comme chien et chat. Je vais le montrer à tout le monde là. Merci Mameske pour les suggestions. Hein. Ken no naka. Hein. Ken no naka. Ken avec la lecture. Donc c'est la lecture on. Donc voilà. Ça veut dire, en japonais, on dit s'entendre comme un chien et un singe. Hein. Donc je sais pas si c'est vrai, peut-être que les singes aiment bien les chiens, mais. C'est assez rigolo que ce soit pas les chats. Donc, bon, bref, une affaire. Moi, j'avais pensé à une affaire assez sordide. J'avais pensé à un agriculteur qui, comme il se sentait très seul, parce que c'était une personne très seule, il avait une relation pas très catholique avec ses vaches. C'est moche, hein? C'est moche, mais du coup, j'ai retenu. Voilà. Donc, si vous avez des histoires un peu cracra qui vous viennent parfois à l'esprit, mais qu'elles vous aident à. Qu'elles vous font des images mentales assez fortes, bah, servez-vous-en, parce que souvent, celles-là, on les oublie pas. Voilà. Donc voilà. Et on va continuer, parce que sinon, gênance. Toujours notre personne seule et en dessous. Je vais avoir. Pas en dessous, à droite, pardon. Je vais avoir notre chi de bushi, notre vaillant samouraï. Hop. Et voilà, pas de spoiler, mais comme d'habitude, comme souvent, on va dire, la partie droite du kanji se prononce chi, donc tout le kanji se prononce chi. Voilà, chi. L'idée de ce kanji, c'est de servir quelqu'un, rendre service ou servir comme un serveur dans un restaurant. Il y a ce verbe tsukaeru qui est un peu particulier, hein. C'est pas la forme potentielle de tsukau, c'est un verbe en tant que tel, qui veut dire travailler pour. Voilà. C'est un verbe intransitif, hein, donc utilisez bien des compléments avec la particule ni.
Que vous dire sinon, c'est quand même. Ils ne l'ont pas mis. C'est quand même un peu. Parfois, leurs choix de mots exemples sont mystérieux parce qu'il y a juste le mot shigoto, hein, le travail, qui utilise ce kanji et c'est pour ça que c'est un kanji qui est mis comme niveau N4. Hein. C'est pas tous ces trucs-là. Hein. C'est le shi de shigoto. C'est pour ça que sa lecture, c'est. Voilà, la lecture qu'on mémorise le plus pour celui-là, c'est shi. Faites bien attention dans la partie droite, hein, c'est pas la terre, c'est le samouraï. La terre, le sol, ce trait-là, ici, est plus court que le trait du bas. Le trait du milieu est plus court que le trait du bas. Ici, là, on a le samouraï, le guerrier, parce que le trait en haut est plus long que le trait en bas. C'est comme ça qu'on fait la distinction. Bah écoutez, le samouraï, hein, c'est quand même quelqu'un dont le métier, c'est de servir. Hein. Il sert son daimyo, il sert le shogun, voilà. Donc j'ai pensé que de même, il peut faire un peu écho à notre assistant de tout à l'heure. Hein. J'ai utilisé le nom Sasaki pour le retrouver facilement, le kanji de l'assistant, en me disant que voilà, c'est une personne, ce guerrier, est au service d'une seule personne. Hein. Non, j'ai pas d'anecdote salace avec celui-là. Voilà, c'est des services tout à fait classiques, il n'y a rien de dégueu. Voilà. On continue. Alors, le suivant, je trouve assez beau. Je sais pas pourquoi j'aime bien. J'aime bien les kanji qui utilisent ces composants-là. Le composant qu'on a à droite, c'est le scorpion. Le scorpion. Et à gauche, on a un être humain. Ce kanji-là, il est ultra courant, très important à connaître. Dans les deux lectures, hoka, qui veut dire un autre. On utilise ce terme pour qualifier. Hoka no blablabla. Écoute, Mamesuke, si tu veux faire des histoires dégoûtantes entre les vaches et les samouraïs, ça te regarde et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont clients de ça sur Internet. Et ta comme dans tanin, un autre, les autres, hein, le mot tanin. Donc ce kanji-là, voilà, il est super courant. Et j'avoue, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait avec. Je m'en souviens même plus du tout. Avec le scorpion. Pas facile. Hein. Ah oui, en plus, du côté des histoires mnémotechniques, comme le terme personne, une personne, c'est un peu vague, il y a beaucoup de gens qui se sont fait des histoires en disant que là, à gauche, c'était Mr. T. Que Ninben, là, c'était Mr. T. Mr. T, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un acteur qui jouait Barracuda dans une série très populaire qui s'appelle l'Agence Touriste. Il était aussi dans Rocky, je sais pas combien. Bref, c'était un acteur qui était surtout connu parce qu'il était baraque et aussi assez rigolo. Voilà, donc il y en a qui ont mis voilà, ce sens-là. Vous pouvez vous prendre une autre personne, hein, quelqu'un qui vous parle. En revanche, il faut juste que ce soit toujours le même dans toutes vos histoires, sinon après, on s'y perd. Une personne qui s'est fait piquer par un scorpion, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait se dire, ouais, j'avais quelqu'un qui devait faire quoi? J'avais embauché quelqu'un pour faire je ne sais quoi, pour faire du jardinage. Et cette personne s'est fait piquer par un scorpion et donc j'ai dû en embaucher une autre, quelque chose comme ça. Rocky 3. Rocky 3. Merci pour la précision. Ichiro-san. Mistati, ouais. Donc voilà, notre Mr. T qui s'est fait qui a écrabouillé les scorpions. Ouais. Faut se trouver un truc. Mais ça c'est un kanji que je trouve super joli. J'adore cette partie droite là, le scorpion là, je trouve super joli. Bim bim bim. Ah bah là on va changer d'animal.
Hop. Et là, je vais encore avoir une anecdote à la con. Pas dégueu, mais juste débile. Donc là, on a une personne seule et on a à droite un chien. Ok? On a à droite un chien. Ce kanji-là signifie prostrer, la prostration, le fait de être prostré devant quelqu'un à quatre pattes. Voilà, c'est le sens du verbe fusseru. Voilà, mettre quelque chose vers le bas. Voilà, alors ne me faites pas des histoires dégueu dans le chat avec le chien, s'il vous plaît, pensez aux enfants. Moi, j'avais juste pensé à la chanson de. Attention, ça va chercher très loin. Il y a la chanson de Richard Gottener, Le Yuki, donc, qui était une chanson dans les années 80 sur un couple de petits vieux qui étaient en adoration devant leur petit chien et qui l'appelaient de tous les noms pas possibles. Hein? Le pépère au Wawa, Yuki Seti, où était son pépère. Bref, allez voir la chanson de Richard Gottener, Le Yuki, c'est absolument tordant. C'est 13 années 80, je le concède. Mais moi, ça me fait toujours rigoler. Et j'ai pensé que les deux, ils étaient, voilà, le papy et la mamie, ils étaient prostrés devant leur chien, tellement ils l'adoraient, tellement ils étaient en adoration devant leur petit toutou. Donc voilà. Si vous connaissez pas Richard Gottener, et c'est sans doute normal si vous êtes, si vous avez moins de 35 ans, on va dire, même moins de 40, on va dire, vous allez vous trouver d'autres histoires. Vous pouvez penser aussi que le chien, il est prostré devant son maître, hein, devant une personne qui est son maître. Ça peut être aussi une histoire sympa. Le suivant. Cette fois-ci, à droite, on va avoir un nuage. Bim. Ce kanji-là, il est hyper important. Alors oui, il est... Enfin, il est important, ouais. Ça doit être du N3, je pense. Hein? Ouais. Donc, avec ce kanji, on a le verbe style, qui veut dire transmettre ou simplement dire quelque chose. Hein? Dire quelque chose. C'est transmettre, dans le sens, je vais transmettre un message, par exemple. D'ailleurs, dans le lecture on, on a le den. Ici, den, du mot dengon, hein, qui veut dire un message. C'est dans la chanson de Kiki la petite sorcière, Ryuji no Dengon, qui signifie donc le message de rouge, le message vocal de Ryuji. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a d'autres verbes, hein, tsutau, tsutawaru, plutôt intransitif. C'est aussi le den de densetsu. Oh, ils nous l'ont pas mis. Ils sont embêtants avec ça. Hein. Densetsu, la légende. La légende, littéralement une explication, un récit qui se transmet. Voilà, c'est exactement ça une légende. Une histoire folklorique, une histoire traditionnelle, un conte. Voilà. Donc, transmettre, transmettre. Eh ben, j'ai imaginé une sorte de gourou, de chaman, qui était perdu dans un nuage de fumée, hein, et qui transmettait comme ça. Ces légendes, ces histoires, ces contes, hein, j'imaginais, voilà, imaginez un petit groupe la nuit au coin du feu et avec une sorte de magicien chaman qui fait partir des nuages de fumée et qui raconte des histoires traditionnelles. Le kanji suivant, il est hyper important à connaître pour les Français en particulier, et oui. À droite, cette fois j'ai le coude. Le coude, ok? Et le sens premier de ce kanji, c'est le Bouddha. Mais il y a un autre sens, qui est la France. What? Bouddha, les morts, la France? Que se passe-t-il? Eh oui, le sens premier, c'est le Bouddha, Hotoke. Hein, Hotoke-sama, le Bouddha. Les prononciations Butsu, Futsu, on les retrouve aussi beaucoup, comme par exemple ben, une grande statue de Bouddha, ça va être Daibutsu, avec le grand Bouddha, Daibutsu. Donc voilà, Hotoke-sama, le Bouddha.
Et c'est aussi un kanji qui symbolise la France, parce que quand le Japon a commencé à s'ouvrir à l'étranger, ils ont attribué certains kanji à certains pays parce qu'il y avait certaines prononciations de ces kanji qui correspondaient vaguement à la prononciation du nom du pays. Comme par exemple, bah, Futsu, ça ressemblait à Fu de Furanzu. Donc c'est resté. Et par exemple, si vous regardez un dictionnaire japonais-anglais, vous allez voir Nichi Futsu. Nichi Futsu, ça veut dire le Japon et la France. Voilà. Avec le Nichi de Niron et le Futsu de la France. Voilà notre petit Bouddha. Exactement, Hiroful avec le bei, hein, le riz, qui signifie aussi, donc qui symbolise les États-Unis. Tchac. Qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce que j'en étais? Oui, le Bouddha. Hein, donc très important à connaître. Le suivant et qui sera le dernier de cette petite série aujourd'hui, ça va être avec cette fois-ci non pas le livre comme on avait tout à l'heure, mais juste l'arbre. Donc pas de trait supplémentaire, ok? Hein, tout à l'heure on avait fait avec le livre. Et donc faut surtout pas confondre ces deux kanji parce que le sens n'a rien à voir. Tout à l'heure on avait le corps, cette fois-ci on a le fait de se reposer, le fait de ne pas travailler. Il y a ce me, il y a ce mêle aussi. Et Q, comme dans par exemple IQQ, qui veut dire le congé maternité. QK, qui veut dire une pause, un moment de répit. QK, voilà. Donc les deux lectures sont importantes. Hein. Il y a ce me, il y a ce mi. C'est d'ailleurs avec cette lecture-là que généralement on découvre ce kanji. Et puis après, vous verrez, ou kyujitsu, hein, la lecture kyu avec kyujitsu qui veut dire un jour de repos, un jour de congé, un jour où on ne travaille pas. Donc là, ah bah tiens, il fait partie du N5 carrément celui-là, effectivement. Hein, c'est le yasumu de oyasuminasai. Donc en termes d'histoire, bah, moi j'ai pensé simplement que j'avais une image mentale de quelqu'un qui se reposait à l'ombre d'un arbre. Voilà, quelqu'un qui se reposait après une. Imaginez que vous faites une randonnée. Ah, il y a une zone d'ombre avec un arbre. Souvent, quand on fait des pauses lors des randonnées, on se met à l'ombre d'un petit arbre aussi pour parfois se protéger de la pluie, ce genre de choses. Donc voilà, vous allez retrouver tout ce concept-là avec ce kanji.